Eh bien salut les amis, salut les bros. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous raconter euh, de retour de la gamer assembly. Je vous retrouve pour vous raconter un petit peu euh, tout ce qui s'est passé pour vous partager un petit peu mes déclistes. Je suis désolé pour ma voix, j'ai la voix complètement cassée. Alors ça va beaucoup mieux qu'hier. Hier, Hier j'ai streamé pendant 4 heures euh, terrible avec la voix la voix bien 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 pire que ça. Ça va un petit peu mieux demain ça sera parfait. Euh donc voilà, donc je voulais faire une vidéo, je voulais pas la faire hier parce que hier c'était vraiment désagréable, la voix était vraiment nulle, <laughs> c'était bien pire que ça. Euh... Aujourd'hui ça va un petit peu mieux. Je vais vous partager un petit peu les decklists et mon expérience de cette gamers Assembly, euh... ce, 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 Cette grosse lane quand même c'est l'une des plus grosses lans françaises, avant, euh... avant de reprendre les vidéos euh, normales, les vidéos coaching. Vous m'avez envoyé pas mal de coaching, je suis très content pas mal de, de replay euh, donc voilà je tenais à faire, faire des remerciements en particulier au passage à purple euh, avec qui euh, avec qui j'ai le plus préparé ces déclistes là qui m'a pas mal aidé c'était mon euh, mon roommate c'était à l'hôtel en fait on est c'est des chambres de deux donc euh, tout le monde est par deux et euh, voilà il y avait chacun, chacun était et chacun est avec quelqu'un et moi j'étais avec purple donc on s'est beaucoup entraîné ensemble euh, donc merci à lui un gros big up euh, aux frérot Quatre euh, déclists, il y avait deux stratégies dans ce tournoi-là, donc les quatre déclists c'est celle-là. Celle-là je l'ai créée hier en stream. J'ai supprimé toutes les autres parce qu'on n'avait pas le droit d'avoir plus de quatre déclists, sinon les gens ils peuvent changer. Quatre euh, déclists, il y avait deux stratégies euh, à adopter euh, pendant ce tournoi. Enfin, euh, deux stratégies qu'on pouvait adopter différentes, c'était soit en target euh, le voleur, soit en target le warrior taunt. Ok euh, Globalement, après, il y a des gens qui avaient d'autres trucs, euh, qui faisaient d'autres trucs, mais globalement, c'était les deux, les deux stratégies plus répandues. La plupart des joueurs pro, euh, en tout cas chez Gamers Origins, mais même, euh, même euh, dans, dans les autres. Euh, même les autres joueurs pro, la plupart étaient surtout sur le target euh, du voleur. Donc en gros, si vous jouez un voleur quête, vous ne pouviez quasiment pas gagner parce qu'il y avait beaucoup de gens qui jouaient la stratégie anti-voleur, à savoir jouer 4 decks aggro. Jouer 4 decks aggro, c'est très très fort contre voleur parce que voleur n'a pas de soins et n'a pas de taunt. Et le but, c'est voilà. Si le mec il a un voleur dans sa line-up, bah, les 4 decks aggro, il pourra pas les battre. Et donc du coup, il perdra la partie, même s'il arrive à gagner avec un prêtre ou, ou quelque chose. Et du coup, eh ben, évidemment, quand vous jouez 4 decks aggro, vous bannissez le War. Sachant que deux des decks les plus forts dans, dans la méta, c'est le War taunt et le War pirate. Donc du coup, en bannissant le War, vous les deux possibilités de War enfin tout le monde avait un War donc c'était c'était assez euh, c'était assez évident à ce niveau là pour pour la stratégie à adopter premier première des décliste à hunter alors on avait quasiment tous la même chez géo avec à une carte un petit peu près qui changeait en fonction des goûts en fonction de, de du gameplay de chacun en fonction de chacun ce qu'il voulait ce que c'est avec quoi il voulait ouvrir etc en tout cas moi je vous partage les miennes. C'est à peu près les mêmes avec... Je crois qu'il y a que Shinos qui avait pris des trucs un petit peu plus contrôle mais globalement Fishou, Unid, Mitsuide, euh etc. on avait à peu près le charron on avait à peu près les même deck euh, le hunter donc du coup dehors on est de ornage on a pas mal de pas mal de tour 1 moi j'aime beaucoup euh, le gardien tolvir en decklist hunter parce que ça vous permet déjà de, quasi, de mettre un petit peu plus de tour 1 dans votre deck d'être quasiment sûr d'avoir un tour 1 ce qui est très important à mon sens dans cette méta et lorsque vous êtes quasiment sûr d'avoir un tour 1 euh, après vous pouvez les piocher très rapidement pour en fin de partie, en milieu fin de partie, ne pas les piocher. C'est-à-dire que si vous les piochez avec ça, votre pioche, vous êtes sûr d'avoir de plus grosses cartes quoi, si vous avez pioché tout vos tours hein. Donc ça va être vraiment pas mal. Sinon, voilà, assez, euh, assez agressif en début de partie. Les deux chats de gouttière qui sont très très forts, même plus forts que la chauve-souris évidemment, euh, et qui permettent évidemment de buffer euh, la hyène charognarde autour d'eux. On a la gentille grand-mère, que des cartes très très fortes, très, très fortes globalement. L'enrage, Bête ça c'est un choix. Il y en a qui jouent euh, la carte qui donne, euh, la carte qui donne euh, adaptation, voilà ça. Le deux, deux sont corrects, ça dépend juste de votre gameplay, ça dépend juste de ce que vous voulez plus voir. Moi, je préfère quand même un petit peu celle-là. Après, vous pouvez jouer cette version-là, elle est un petit peu plus, euh, un petit peu plus euh, répandue, on va dire. Voilà, comme ça. Euh, et puis, euh, sinon, double entraîneur des savannes, très très fort. Si vous bannissez Warrior, comme par exemple euh, Mitsuide, je crois, a fait, vous pouvez enlever. Non, je crois finalement il l'a remise, mais vous pouvez finalement. parce que c'était vraiment le, le débat qu'on avait eu avec euh, Mitsuide, Purple et Shinoise. Euh, à l'hôtel, c'est est-ce que vous jouez deux grandes crinières ou une seule Deux grandes crinières, c'est très très fort. Euh, même si vous bannissez euh, Warrior, il ya quand même pas mal de classes, les prêtres, etc., qui jouent des rats des loyaux Et rats loyaux. si ça ramène crinière, vous avez gagné la partie. Voilà, voilà. Le Hunter, on enchaîne directement le Warrior Pirate, ça on va pas s'attarder dessus. Euh, Déclus à ce classique, hein, voilà Warrior Pirate. Moi j'adore les glaciaire hein. euh, un peu comme Tars. Moi je pense que c'est vraiment une carte qui peut avoir sa place dans pas mal de decks. Peut-être pas forcément deux exemplaires, mais un exemplaire, c'est très fort. C'est très fort également en Mirror. Euh, lorsque vous jouez contre un autre deck agro, ça vous permet.. Voilà, de, de, euh, de, de geler une créature et de ne pas avoir à la tuer. Euh, pas sur ce tour-là en tout cas, et d'attendre d'avoir une meilleure solution pour la tuer. C'est vraiment très très fort. Voilà, globalement, sinon, c'est classique. Hein, Warrior Face, on n'a pas besoin vraiment de détailler. Le prêtre, c'est le meilleur. Je vais le garder pour la fin. Ensuite, c'est le chaman Cette décliste-là, je ne comptais pas forcément la jouer comme ça. Mais. Euh mais du coup, euh, vu qu'on est parti sur une stratégie un peu plus agressive, on a décidé de, de prendre... Euh, on a décidé de la mettre de la faire plutôt comme ça. Il y a deux éruptions de lave. C'est un chaman très très agro avec un élément délié. Je crois que cette décliste-là, c'est plus celle de Dog. C'est Dog qui a créé ça. Euh, deux éclats de jade, voilà, assez agressif, double marteau du destin. C'est le beau jeu. Hein. Là c'était le beau jeu de Flamethran qui sont, qui sont très très forts. Les deux choses venues d'en bas. Voilà. Euh, assez classique. Si vous manquez une carte, vous pouvez la remplacer. Si vous manque Aya, euh, pour le coup, ben, c'est un peu plus compliqué, je pense. Mais, mais vous pouvez mettre un deuxième sans visage. Vous pouvez... Ouais un deuxième sans visage c'est vraiment bon mais Aya, Aya est vraiment fort parce que vous avez pas mal de jade donc si vous enlevez euh, Aya j'ai un peu je sais pas trop si griffe de jade etc sont quand même très fortes Je pense que c'est quand même fort parce que c'est juste des cartes qui sont fortes même sans l'invocation de Jade mais c'est dommage si vous avez pas Aya c'est vraiment dommage, je pense que la déclisse perd beaucoup de son intérêt mais si vous l'avez elle est très très forte c'est très fort contre tout ce qui n'est pas euh, Warrior Taunt. Donc, bah, vous pouvez battre Warrior Taunt mais c'est quand même plus facile contre tout le reste et on joue euh, un totem vague de mana pour euh, justement les match matchups un petit peu plus contrôle notamment le, le mage ou le warrior voilà voilà euh, j'avais un druide aggro un mage un, dru un druide aggro beaucoup ont pris druide aggro moi j'ai changé du coup j'ai pr préféré prendre le prêtre un petit peu pour, pour aussi je savais que je passerais sûrement un petit peu en stream et je voulais le montrer euh, c'est une de mes déclisses préférées on monte énormément ladder avec on va faire quelques games là avec euh, pendant cette vidéo que je vous raconterai un petit peu là dans euh, la guerre en pardon, euh, deux cercles de soins, voilà, c'est un prêtre silence, très très fort, euh, hydroflotte mer c'est très très agressif, vous pouvez très souvent gagner à partir tour 5, tour 6, tour 7 même. Euh, au grand maximum, ou sinon contre contrôle, contre Warrior Taunt, etc. Vous pouvez jouer très value et, euh, et voilà, protéger vos créatures avec les cercles de soins, avec tous vos trucs. Euh, vous pouvez vous mettre plutôt bien. C'est une décliste très très forte. J'ai été agréablement surpris. Au début, je comptais pas prendre de prêtre. Ou alors plutôt un prêtre dragon. Mais finalement, c'est la décliste qui m'a qui m'a le plus euh, fait plaisir. donc C'est une décliste qui n'a quasiment pas perdu de game. Donc je suis très satisfait euh, par, par cette décliste-là. Voilà, voilà. Euh, globalement, s'il y a une décliste qui m'a un peu déçu. C'est dur à dire parce que ça dépend mes adversaires, bannissaient pas tous le Warrior, il y en a qui laissaient le Warrior. Le Warrior ne m'a pas trop fait défaut. Je pense que c'est le Hunter qui m'a le plus fait défaut dans toutes mes decklists. Euh, c'est le Hunter qui faisait que je perdais souvent une game ou deux. Sinon la plupart des BO, bah voilà, on les a gagnés, c'était pas mal. Ça s'est plutôt bien passé. J'ai eu un petit problème on va dire avec, euh, avec euh, les règles du tournoi, ce qui s'est passé. Bon, la plupart sont au courant, mais ce qui s'est passé c'est qu'en gros malheureusement, euh, j'ai fini deuxième de ma poule. Euh, ce, qui était, euh, ce qui était pas mal donc il faut être deuxième pour passer donc premier deuxième euh, j'étais euh, j'étais plutôt satisfait en fait je ça tour 1 il faut aller chercher euh, les, euh, les, les 4 8 et les 4 5 je vais détailler le deck après euh, donc du coup j'étais deuxième de ma poule j'étais un petit peu au-dessus au, au golavrage et bah, ce qui s'est passé c'est que ah euh... oh, on va pas on va pas le faire tout de suite on va pas le faire on a juste une main qui, qui nous permet de le faire plus tard on va, on va se faire plaisir à moins qu'il puisse le tuer. Oh, un merloc, ok. Très bien, très bien. Euh, là, j'aurais aimé voir ça le tour d'avant. Je vais faire ça. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que euh, les... j'étais un tout petit peu devant au Golavrage. Et en fait, au bout d'une heure, donc j'avais tweeté comme quoi j'étais qualifié. Donc voilà, je gagne ma dernière game. Enfin, mon dernier BO. Euh, on me dit Ouais, voilà, c'est bon, t'es qualifié et tout. J'étais très content. Et là, au bout d'une heure. Au bout d'une heure, un truc comme ça, euh, les, euh, les, les organisations du tournoi euh, parlent au, au micro et disent euh, ouais les joueurs d'Airstone Veuillez Veuillez revérifier le, le, comment le bracket euh, parce qu'il y a eu un changement dans la structure du tournoi. Et du coup moi je me dis ça ça n'a ça pas l'air d'être une bonne nouvelle, ça, ça présage rien de bon. Et donc du coup on vérifie la structure du tournoi et en fait je suis passé deuxième euh, sur, le, sur le bracket. Je vais faire ça tout de suite, on va se pioche. Ah, je pense que ça c'est meilleur. Ah, J'ai un silence déjà dans la main et j'ai un traquenard. Après, genre, si je fais ça et ça, je suis faible sur égalité, mais je perds deux cartes en plus. Si je fais ça, je suis faible sur égalité, mais je garde mes deux cartes, euh, on va dire, clés du match-up. J'aime bien, j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée. Et donc du coup, ils ont changé. Ils disent, ouais, bon, voilà, la structure du tournoi a changé. Bon, voilà, certes. Okay. <laughs> donc je regarde le machin et je suis passé euh, troisième euh, du tournoi. Parce qu'en fait, la personne qui... Euh, contre la, la personne contre laquelle j'ai perdu en fait était euh... ah, intéressant, la, la, la personne contre qui j'ai perdu en fait était la personne avec qui j'étais égalité c'est à dire j'étais égalité avec la personne contre qui j'ai perdu donc même si j'avais un petit peu plus de points euh, j'étais quand même malheureusement derrière euh, dans dans le au goal le, au goal avrage. Donc, euh, donc voilà, une, une petite déception une petite déception à ce niveau là, mais c pas, je ne suis pas trop déçu quand même, c'était un très très bel event, je suis très content, j'avais de très bonne line-up, pour, pour une fois j'étais euh, allé au moins à fond quoi, donc euh, j'étais euh, globalement satisfait par, par ce tour euh, Je vais faire ça, je vais faire, je vais faire doubler les attaques et je vais faire ça, et je vais coller 16 sur ce tour. On n'a pas vraiment de manière de... J'aurais peut-être dû soigner ma, ma 3 de my j'ai dû la soigner. Euh, on se fout, de toute façon normalement je joue pas d'égalité dans un deck murloc. Et, euh, et donc voilà, c'est bien passé. Je me suis fait avoir par des declists un petit peu plus. Euh, un petit peu plus, on va dire, exotique. C'est-à-dire que ma line-up gérait bien tout ce qui était euh, classique. Oh le bâtard, what No <laughs> Zut Putain, j'aurais tellement dû le heal. C'est pas grave, comment je peux faire ça Je peux le. <laughs> pas trop envie de le. Ah, remarque, je peux quasiment silence. Je peux quasiment, le silence, hein. je peux quasiment le silence. Ça me fait piocher. Ça me fait piocher Et il passe, il passe à 16 Et il passe à 8 pardon Ok Je vais doubler d'abord Je vais trade là Et je vais le re-heal J'ai pas envie de copier une 1-16 ça m'a l'air juste faible euh, Et donc... Euh, et donc en fait je me suis fait avoir par un hunter Qui jouait... Euh, il jouait flair Il jouait euh, deadly shot etc C'était terrible Non oh, t'es sérieux là pas cool ça Oh, je me fais règle là, c'est pas cool. Euh, voilà, globalement je me faisais avoir par des déclistes comme ça, en fait. Je me faisais souvent avoir par des déclistes comme ça. Mais bon. Euh, c'est excellent ça. C'est très bon. C'est le meilleur top deck possible. Euh, mais tout ce qui était classique, donc en gros tous les gens qui jouaient une décliste un peu tryhard, ça se passait plutôt bien. Euh, J'avais... J'avais... J'ai fait 3, 1, 3, 2. J'étais à 2-0 au début, puis après j'ai perdu. Après j'ai regagné, enfin, globalement c'était cool, niveau game c'était cool Sinon bah qu'est-ce qui s'est passé d'autre bah, Vous étiez très nombreux à cet event là et ça ça m'a fait très plaisir vous étiez très très nombreux euh, J'ai dû rencontrer euh... Ah ouais il peut le tuer tout de suite Waouh 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 wow, wow. il est fort Vous étiez très très nombreux euh, J'ai dû rencontrer au moins une centaine de personnes et je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde euh... Parce que j'ai envie de silence ça, parce que j'ai envie de silence ça Genre ça ça invoque une 2-6 c'est vraiment genre catastrophique pour moi j'aimerais bien silencer ça mais... Cette carte là m'a l'air vraiment euh... genre vraiment chiante. Je sais pas ce que vous en pensez mais elle m'a l'air vraiment excessivement chiante. Euh, je vais juste me soigner moi, je vais laisser ça sur le board et je pense que je vais garder Okenai encore un tour. Cette carte là n'est pas une menace, donc si je joue Okenai, il va juste cibler la Okenai. Là s'il cible ça pour l'instant c'est pas très grave. Si je t'obdeck ça le de soin, je serais dégoûté d'avoir gâché la Okenai, donc je préfère la garder. De toute façon la, la game est, est peu probable qu'on la gagne. Notre deck est plus ciblé pour battre tout ce qui est voleur, tout ce qui est warrior, tout ce qui est druide, toutes les decklist un petit peu on va dire euh, à la mode euh, dans la meta actuelle. Donc c'est pas c'est pas forcément facile contre les decklist un petit peu exotiques. On va juste taper là-dedans. Ouais. On va juste taper là. Bon. Elle a beaucoup d'HP, elle peut mourir sur ce board, mais j'ai la 3-4 qui est encore en vie. Ah, l'égalité, waouh. Ok, ok, ok. Je vois quelle version il joue. L Égalité, consécration. Il se met bien là, il se met bien. Il se met plutôt bien. Il est, très, il est devenu très très fort ce deck là. En l'adore, il est devenu très fort. J'en ai pas croisé, en j'en ai croisé, je crois, un en tournoi, mais mais pas mais pas genre mais pas genre euh, comme les voleurs, etc. Les voleurs, il y a un voleur qui a réussi à me battre à ce tournoi là. J'ai quand même gagné le BO à la fin, mais il jouait voleur. Euh... Il jouait voleur quoi Il jouait voleur euh, miracle. Euh, miracle OTK, et c'était le seul, on va dire, qui m'a un petit peu euh, eu au dépourvu. J'avais commencé en Hunter, je crois, et il m'avait un petit peu eu. Euh, bref, voilà, je voulais vous faire quelques petites games, vous faire un petit résumé de cette game ensemble, assemblée. Très très cool l'événement de manière générale. J'en veux pas du tout aux organisateurs, j'en veux absolument à personne. J'ai vu la joie dans les yeux de, de la personne qui. Parce que du coup, vu que moi j'ai disqualifié. Enfin, vu que moi j'étais passé troisième il bah, y a une personne qui est passée deuxième à un place c'est logique et, euh, et euh, cette personne là bah, j'avais joué contre elle du coup et elle était bah, voilà le mec était super content, de, super content de se qualifier et tout moi je ne me voyais pas lui dire bon attends mec euh, on va aller voir les admins on va contester ça tu vois alors le mec était super heureux je me suis fait bon de toute façon il y aura un il y aura un, un heureux et un malheureux à la fin donc euh, autant euh, voilà le mec le mec il a gagné son tournoi, il, il est refait, faut pas ça se, ça se fait pas d'aller euh, contester le, le résultat quoi. Et puis ça fait vachement le mec euh, qui se qui sert de sa notoriété ou quoi, genre en mode eh hey, euh, ok ok je perdu mais je vais aller voir les machins, je vais leur dire euh, je suis streamer, vous me laissez passer moi ou un truc comme ça, non c'est nul. Euh, les, les règles ont changé, je, je trouvais ça un peu nul, mais c'est pas c'était pas c'était pas grave. Au final j'ai passé un très très bel événement et euh, ah je, je pense que pièce et ça est plus fort genre 3-4 Genre 3-4 m'a l'air juste plus fort Cela dit ce qu'il peut tuer ça <laughs> Non peut-être que non Peut-être que juste ça est meilleur Il joue euh... Il joue euh... mage aggro Il joue soit mage aggro, Soit mage quête Mais il a mouligné la carte tout à gauche ici Donc c'est possible qu'il joue pas quête. C'est possible, c'est possible. On va silence d'abord, faut pas faire d'erreur. Hop. On va faire ça. Je pense pas qu'il puisse tuer ça facilement, donc je vais pas le. Je vais pas le. De heal avec le cercle de sang tout de suite. On aura probablement un meilleur cercle de sang plus tard. S'il le tue, pas trop, trop grave. Que je... En gros, je gâche une carte pour en piocher une autre, donc c'est pas... pas ouf. C'est pas ouf Mais cette décliste-là, j'ai été agréablement surpris parce qu'à la base, je comptais pas la ramener. C'est celle qui a fait euh, la meilleure, euh, le, me... le meilleur résultat au final. J'étais. Euh, oh, what? Ça se met bien à ce que je vois, ça se met bien. Euh, ouh, c'est cool ça. Est-ce que j'ai envie de... Cercle de sang... Est-ce que j'ai envie de pièce heal Je pense que j'ai envie de pièce heal. Cercle de soins pour avoir une meilleure value plus tard. La pièce c'est peu probable parce que c'est la plus grosse carte de mon jeu. <laughs> avec, le, avec les hydres mais... Mais voilà. Euh, et ouais, donc du coup très satisfait de cette lineup là, très agressive, mais, mais c'est une stratégie comme une autre en fait. Tu, tu viens, tu ramènes soit que des decks agro, soit que des decks euh, value, et euh, tu essaies de les jouer au mieux. J'ai été un petit peu déçu par le fait que la seule game que j'ai été cast, malheureusement alors c'est très mal tombé, c'était la seule game contre qui... Euh, enfin la seule le seul BO dans lequel mon prêtre était banni. Et le prêtre je l'ai surtout ramené pour, euh, bah si jamais je passais en stream ou quoi, pouvoir euh, pouvoir le jouer. Donc euh, là, ça ça m'a ça, ça un petit peu déçu. Si je devais citer un truc qui m'avait un petit peu déçu, c'était ça. Bah, j'ai ramené un deck surtout pour le show et... Mais après là, ça c'est la faute à personne, le mec il a banné le, le deck qui lui faisait le plus peur. Et euh... et euh... Et donc du coup bah moi je peux je peux plus le montrer en stream mais c'est mal tombé on va dire, c'est mal tombé. Ok ok double deuxième purification moi je cherche juste le truc qui double HP là là ce stade je cherche le truc qui double HP pour avoir l'étal le plus vite possible Sinon je peux avoir l'état sur quoi euh, 4 9 10 11 14 Je peux gagner 5 ici Ok Ok. Euh... Je peux gagner 3. Je peux faire ça et ça. Hop. Hop, hop et hop. Oh, je vois ça. On va pas poser plus de créatures que ça. Genre, si jamais il joue Nova Hospice ou une connerie comme ça, j'ai envie d'avoir une place sur le board pour pouvoir s'y lancer en Hospice. Ça, 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 je pense que c'est nécessaire euh, Sinon voilà, bah écoutez Le tournoi s'est très très bien passé Je vous ferai probablement un petit... Euh un petit euh, montage euh, best of avec des petits rush ou quoi sinon bah euh, sur twitter euh, sur twitter j'ai retweeté un petit peu euh, les photos ou les trucs comme ça pour les gens qui voulaient aller voir un petit peu voir un petit peu comment ça se passait l'ambiance était très très cool très très content de cette game Thrones as Assembly. Euh, très bien organisée par rapport aux années précédentes euh, très satisfait après il y avait des défauts il y avait beaucoup de retard sur le tournoi par exemple les trucs comme ça mais ça c'est pas un truc pour lequel que je, que je vais reprocher ou quoi que ce soit parce que ça arrive et puis euh, les, les, les gens qui travaillent là étaient des bénévoles et ils ont fait de leur mieux et euh, évidemment euh, évidemment, on peut pas, euh, on peut pas leur reprocher que qu'il y ait des joueurs qui a ramené que du freeze ou que du euh, que il y avait des miroirs, c'était freeze contre endlock, ensuite endlock oh, freeze contre freeze, ensuite endlock contre endlock, des trucs comme ça, et c'était très long, très très long. Donc les, les organisateurs, ils étaient pour rien. Ils sont là, ils attendent que le match est fini pour pouvoir continuer, ils peuvent pas arrêter le match. Donc euh, beaucoup de gens, crashent, beaucoup de gens crachent beaucoup sur les organisateurs tout le temps. Euh, moi, je pense que c'est pas une chose à faire. Est pas, ils font de leur mieux, c'est des bénévoles, ils sont là, ils taffent. Et euh, c'était cool. Bon, du coup, prochain tournoi à DreamHack. DreamHack, DreamHack. Dreamac, euh, on est tous à Paris, Fichois a aménagé à Paris maintenant. Purple est à Paris, donc on va la préparer au maximum cette DreamHack-là. Je ferai de mon mieux pour ne décevoir personne et aller le plus loin possible cette DreamHack. Euh, ça va être cool, je suis vraiment content en tout cas d'avoir repris un petit peu euh, euh, ces. Euh, c'est gros tournois français où on, peut rencontrer, euh, où on peut rencontrer la communauté. Si vous voulez venir à la Mac Tour, ça va être excellent. N'hésitez pas, vous me dites sur les réseaux sociaux, etc. Euh, ça va être très très cool. En tout cas, je vous fais des bisous. Euh, les vidéos reprennent, du coup, les, les, les coachings, etc. reprennent euh, comme habituellement, genre un par jour, hein, deux par jour. Si vous voulez m'en envoyer l'oello.gamersorigin.com. Et, euh, et sinon, bah, voilà, les vidéos un petit peu exceptionnelles, les vidéos un petit peu IRL, les petites surprises que je vous avais réservées, vous le savez pour ceux qui me suivent en stream. Euh, ce sera... Ce sera, ce sera plutôt en week-end, voilà, ce sera plutôt en week-end, et sinon voilà, dernière annonce, sinon pour les petits détails un petit peu des, euh, des euh, de ce qui s'est passé en LAN, les petits, les petits dossiers, les petits trucs comme ça, euh, je vous en parle un petit peu plus en stream, voilà, en stream je vous raconte des petites anecdotes, des petits trucs comme ça, je ne les raconte pas sur Youtube, euh, parce, que, euh, parce que sur Youtube je veux garder un contenu un petit peu plus, euh, un petit peu plus sérieux en tout cas pour l'instant, voilà, voilà, merci à tous les bros d'avoir suivi cette vidéo, euh, j'espère que les decklists euh, vous plairont pour ceux qui voudront les essayer. Et puis voilà, dès qu'on aura une décliste un petit peu intéressante à vous partager, je vous en partagerai, j'en ai 2-3 de côté qui sortiront dans pas longtemps. Voilà, je vous fais des bisous, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça me fait vraiment plaisir. Merci à tous de votre soutien comme d'habitude. Et puis je vous retrouve demain ou cet après-midi pour une prochaine vidéo.